Who seeks the power of Zoltan Kul? I can feel you out there. Your conviction, your potential, and your past brought you to me. You might stand a chance in this world, if you listen. It's not enough to recognize the lies and obfuscations. You must understand where they came from. Where would you draw the line if you could save us all? What wouldn't you do? Why save this fetid world at all? Un bon taf, le doubleur, hein. I can tell you're not convinced. Respect the effort I am making for you, for humanity. And know this, I do not lie. Why lie when the truth is far more entertaining? What should I tell you? Perhaps about Tyriel's little band of ostriches? Oh, I was one of them. Until they expected me to bury my head in the sand with them, to be content with their arbitrary limitations and ignore what was irrefutable. So, they buried my head for me. Only one person had the inventiveness to look beyond what we've been told, to the bedrock of truth, and approached my level as a peer. But the demons destroyed that. Spread like a miasma, stagnant and loathsome. Thieves of hope and wellsprings of rot. Drove me to aid the Hrodrim in their silly war with the Viz-Joktar. Dreaming of grander wonders all the while. Alors ça... The Horadrim are not worth your esteem. They were a band of fools, held together by the leadership of a selfless, noble fool that never questioned the Archangel when he asked us to risk our lives for the Heaven's mistake. But they recognized my abilities and understood that success hinged on my research and experiments. Already a master of alchemy and transmutation as the greatest mage of the Ennead clan, I was given Tyriel's soul stones as we searched for the three prime evils. Carved from the shard of the World Stone itself, as prisons for the prime evils. La bleue, évidemment. Tyriel truly understood their power, their significance. I spent years studying them, intrigued by their power, uncovering their secrets. Creation echoes in the stones. If you look, if you listen. We confronted Mephisto in one of the great urban centers of Khajistan. The collateral damage of the fight was predictable and befitting the Lord of Hatred. Some of the innocent might question who the greater evil was that day. But in the end, Mephisto's essence was trapped in the Sapphire Soulstone and given to the fledgling order of the Zakharum. Emboldened, we followed Diablo and Bale west, relentless in our pursuit. We drove Bale into the city of Lutgolain. 3 days we waited for him to cross the scorched wasteland.
The harsh desert offered no protection, and we rallied against his fury. He wavered. We pressed on. Insistent. Incessant. Resolute. What can one do but live up to their nature? Did you know that angels are no better than demons? They once voted whether we should be eliminated. One vote saved us. Tyriel, the Archangel of Justice, who saw no justice in murder, but also understood our capacity for utter ruin and unbridled hope. We could become what the angels only dreamed of. Subjugation. Eradication. Do you see the commonalities yet? The Lord of Destruction hurled a devastating spell, and, staying true to his nature, shattered his amber prison. Tal Rasha gathered the mages, and together they subdued Baal. When the remnants of his soul stone proved insufficient to contain him long term, the Horadrim turned to me for a solution. They asked the question. I merely answered it. There is a connection between the crystals and our hearts that transcend physicality. Where space is both finite. Très intéressant la représentation des trois différentes. Constrictive and expansive. Divinity and chaos, echoing history and time. The origin and purpose in all things. Tal Rasha, as required by his nature, sacrificed himself to become Baal's prison. Tyriel himself appeared to drive the amber shard into his heart. Oh, it is an awesome thing to witness hypotheses confirmed. Tal Rasha was bound in a warded tomb, deep within a labyrinth of caves. And left to struggle against Baal for... Musique triste. Eternity. Jared Kane led the Horadrim, then pursued Diablo for nearly a decade. The hunt finally ending in the distant western lands of Condurus. The Crimson Soulstone was hidden near the River Tulsand. This one, Tyriel ordered guarded. So, fools built a monastery on top, and the Horadrim grew lazy. I, who bear the same scars they all did, who fought the same battles, we all knew the truth of things. The limitations of the Soulstones, the same as any prison. The fools declared the evils sealed away. Never to trouble us again. Buried beneath the sand. Astounding that no matter how much one wants something to be the truth, that doesn't make it so. I tried to warn them. They didn't listen to me. Perhaps someone will learn from their mistakes. I left Tyriel's magicians to their manufactured sense of security and returned to Kegistan to pursue my greatest work, my legacy, my gift to humanity. The creation of a soulstone is a complicated task, requiring much research and experimentation. I had to sacrifice much to make one. Have you ever been on the precipice of apotheosis?
of the culmination of your greatness, only to have short-sighted sycophants ruin it. The Black Soulstone was designed to contain the essence of demon and angel alike within it. With the power of the high heavens and the burning hells, I could usher in a golden age, elevating humanity to our rightful place as the inheritors of Anu. In ancient times, our kind possessed power unmatched in this dreary age. The angels could not control us. The demons could not dominate us. They feared us. Our liberation lies in power, for we embody Anu's reunification. And with the Black Soulstone, the heavens and the hells could be brought low, and humanity could rise, unchallenged, unrestricted. But the Horadrim, led by Ibn Fahd, could not accept the truth of our destiny, and were sent to silence me. They objected to my research, my methods, to trying to replicate the Soul Stones at all. I wasn't trying to replicate them, I was improving them. They raided my archive and threw themselves at my defenses. I could have stopped them, of course I could. But too much of my power was invested in creating a miracle. And the Horadrim, unyielding, they interrupted my summoning, pulled me from the brink of greatness, and gave me many titles. Murderer, torturer, monster. They decided I should die for their hypocrisy. It helps to have the ability to execute one's plans. It's not like I didn't see it coming, though. I am well acquainted with the Horadrim's myopic hypocrisy. They couldn't destroy my archives, couldn't even find them all, and they thought they could kill me. They found they could not. They drained the sands from my veins. I can still hear the sound of it filling their vials like grains in an hourglass. They cut off my head, dismembered my body, and locked everything away. They must have been very angry with me to do exactly what they accused me of. Even if they had managed to truly kill me, there are constructs hidden in places those unimaginative fools would never think to look. And perhaps still a few where they did. It was only a matter of time until one very much like you needed Zoltan Ghul. Needed my work, my intellect, my vision. Enough to take on the quest to resurrect me once more. I had hope for that one. So close to understanding. But a fool in the end, surrounded by deceit, with allies that sought only to control and manipulate. Have you heard of anything more pathetic than a god who chose to be a puppet for Diablo? There you have it, the fate of humankind. Every door can be opened. Every lock has a key. History repeats.
So, answer the question. What wouldn't you do to free us all? Putain, elle est incroyable. Hein. Après, c'est 15 minutes. C'est vrai que c'est 15 minutes de cinématique. Putain, ils se sont éclatés. Hein. Ils se sont éclatés. Alors, j'arrive. C'est la première fois que je la visionne et j'arrive complètement après la guerre. Donc, alors personnellement, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet puisque c'est la vidéo sur l'exil noir globalement, la période de l'exil noir. Sauf la fin qui parle, la toute fin parle de Diablo 4 et du Néphalem qui récupère l'âme de Zoltun Kul, mais qui se fait manipuler par Adria, qui ne fait que représenter Diablo, donc d'où le fait qu'ils disent et que finalement ça amène au retour de Diablo. Donc, et j'aime beaucoup ce qu'il dit à la fin aussi, mais bon, je vais peut-être attendre. J'ai pas envie de faire une analyse super longue parce que ça risque d'être très long, mais. Le choix des musiques est incroyable. Déjà, le choix des musiques est incroyable, majoritairement du Diablo 4, mais le choix des musiques est. Donc, ça nous rappelle énormément. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas juste un rappel de l'exil noir. Il y a des petits détails en plus, et des petits détails, notamment, j'aime beaucoup là où il aurait pu en faire des tonnes, des caisses et des caisses en fanservice de ouf, c'est Tristram, et au final, il en a pas trop parlé. Il l'a même pas nommé d'ailleurs, Mais bah, si vous connaissez un peu Diablo, vous savez de quoi ça parle. Mais par contre, en fait, il a préféré s'étendre sur les trucs où on a moins d'infos, en fait. Bon, en vrai, Baal un peu aussi, quand même. Mais surtout avec Diablo Immortal, où il y a carrément la... Ça fait mention à Diablo Immortal plusieurs fois, d'ailleurs. Mais c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Puisqu'on a la psyché de Zoltun Kul. Un jour, il aura une vidéo à part, lui, je pense, Pépère, parce que Zoltun Kul, c'est assez intéressant. Le début de la vidéo, j'étais en mode, ah, j'aime pas trop, parce que le début de la vidéo, on a vraiment le côté, il est fou, c'est un gros con, etc. Alors que Zoltun Kul est très intéressant, justement, parce que c'est un personnage très nuancé. C'est un personnage qui me rappelle beaucoup Illidan, d'un certain point de vue, le Illidan de Warcraft. Pas Illidan de BC, ni un peu plus l'Illidan de Légion, on va dire. Mais je dirais plus le Illidan de War 3, qui est vraiment en mode on en a rien à secouer. Enfin, je dois faire en sorte d'aller. La fin justifie les moyens, et la fin est bonne. Donc, parce qu'il parle même d'un cadeau pour l'humanité, c'est même pas forcément lui. Il ne pense même pas forcément que à son pouvoir personnel. Alors, bien sûr, il sait qu'il a besoin. D'accroître son pouvoir personnel s'il veut renforcer le monde. Mais ce qu'il pense, c'est en fait un peu un humaniste extrême. C'est vraiment un humaniste extrême parce qu'il fait des choses extrêmes. D'ailleurs, il minimise énormément ce qu'il fait. J'en reviendrai après. Mais quand les Oradrim l'accusent d'avoir tué des gens, etc., enfin, l'accusent de meurtrier, de bourreau, de traître, etc., c'est véridique, hein. Pour améliorer, quand il dit qu'il a dû sacrifier énormément de choses, là c'est là, créer une pierre d'âme est une tâche complexe qui requiert énormément de recherche et d'expérimentation. Moi je vais le dire maintenant du coup. J'ai dû sacrifier beaucoup pour en fabriquer une. Ouais. Alors là. Quand vous entendez les cris en arrière-plan, c'est parce qu'il a tué des innocents. Hein. Il a tué des innocents pour arriver à faire ça. Hein. Donc, et il a sacrifié, je pense, une partie de lui-même aussi, hein, puisque bon, à la fin, il arrive à se transmuter, etc. Donc, Zoltun Kul, un très 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 puissant magicien de la période de l'exil noir, qui du coup est fait partie du clan Enéade, comme il en parlait. C'est bien, il fait un petit rappel du clan Enéade. Et ce que je trouve assez triste, et j'avais beaucoup aimé dans la bibliothèque Oradric, le fait que Zoltun Kul, on sent que c'est un connard. Enfin, on sent qu'il a une très haute opinion de lui-même. Il a une vision très « je sais ce qu'il faut faire », etc. Du coup, ceux qui ne pensent pas comme lui, il les considère vraiment comme des idiots. Il l'a pas arrêté dans la vidéo, il dit « full » en permanence. Mais après, le terme idiot ne veut pas forcément dire qu'il ne les apprécie pas. Et j'aime beaucoup le fait que quand il parle de Zoltun, de Tal Rasha, écoutez, ensuite il y a l'absence de musique d'ailleurs. L'absence de musique est une musique en soi. On a Jared Cain du coup qui est présent là d'ailleurs. By his nature, sacrificed himself to be required all things.
Tal Rasha, as required by his nature, sacrificed himself to become Bale's prison. Tyriel himself appeared to try. Donc là, c'est du rappel pur, mais. Ember shard into his heart. Oh, it is an awesome thing to witness. Voilà, bien qu'il soit agréable de voir des hypothèses se confirmer, en mode il est content d'avoir eu raison, mais. Hypothesis confirmed. Écoutez la musique là. Tal Rasha. Il s'arrête, il fait une pause. Il a pas fait de pause sur toutes les phrases, et là il fait une pause et on entend un début de musique triste. Was bound in a warded tomb, deep within a labyrinth of caves. Et ensuite il y a plus de musique. And left to struggle against Bale for. Il fait une pause. Eternity. Ça, c'est très bien écrit, ça. Ça, c'est extrêmement bien écrit, ça. Parce que c'est un connard. Et il se comporte comme un... Ça fait très Vegeta de Dragon Ball Z, qui a ensuite amené plein de... C'est quelqu'un qui est immensément arrogant, qui est immensément... Qui sait que... Enfin, qui pense avoir raison et qui veut imposer sa raison aux autres. Alors, pour le coup, Zoltun Kool, il se trompe pas tant que ça. Hein. Et d'ailleurs, il le dit. Je ne mens pas, puisque la vérité est beaucoup plus rigolote. Mais... Ce qui est drôle, parce qu'en soi, il cache des choses quand même. Il ne ment pas, mais il fait des contre-vérités, on va dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on voit... Moi, c'est ça qui nuance le personnage, en fait. Il admirait quand même Tal Rasha. Il admirait quand même Tal Rasha. Et on le voit beaucoup dans la bibliothèque Oradric sur la nouvelle, qui est pour moi la meilleure du bouquin, c'est celle sur, qui est celle sur Tal Rasha. Et du coup ça c'est cool. En vrai globalement la vidéo est plutôt bonne. Il y a des petits trucs que j'ai reprochés, mais globalement elle est vraiment très bonne, hein. Notamment la narration, ouais. Pff, insane, hein. Voilà, là, pourquoi mentir alors que la vérité est plus intéressante. Voilà. Il rappelle qu'il a quand même fait partie des Oradrim. Je tiens à dire que cette vidéo arrive dans le contexte de la saison 3, si je ne m'abuse. Et la saison 3 qui était là pour saison 3 qui était là pour annoncer la saison des constructs, etc. Et ce qui est assez intéressant avec cette saison 3, c'est qu'on a notamment un personnage du coup qui est c'est pas vraiment un apprenti, mais c'est un autre magicien qui collaborait avec Zoltun Kool et qui s'est retrouvé enfermé par un démon assez random. Je pense que je ferai une vidéo sur le sujet parce que c'est quand même saison 3 assez intéressante, hein, pour le moment, de ce que j'en ai vu, mais j'ai pas fini de la tester, donc c'est la fin de la saison, mais j'espère pouvoir la finir avant l'arrivée de la saison 4. Et la saison 3 amène des choses intéressantes, notamment beaucoup de contexte, et on voit un Zoltun Kool. On voit vraiment une évolution du personnage, et là-dessus, bien joué. Parce que en parallèle, il y a Dragonflight qui est sorti et qui a montré que Deathwing, avant d'être Deathwing, était déjà Deathwing. Qui pour moi est une catastrophe en termes d'écriture, pour montrer que bah, en fait, c'était déjà un con. Et ça peut déjà être un con avant, mais il est censé y avoir une progression, il est censé y avoir une évolution. C'était juste un con. Là, ce qu'on voit avec la saison 3, dans ce que j'ai vu pour le moment, Zoltun Kool est très refermé, très « moi je sais », tout ça. Mais il est beaucoup plus positif. Il est beaucoup plus positif et on sent que c'est son combat contre les trois seigneurs démons qui va lui faire se rendre compte que dans ce combat, l'humanité peut pas gagner avec avec les outils conventionnels, en fait. Et ça, je trouve ça très très intéressant. Et d'ailleurs, je fais le lien. Parce que là, voilà, à une époque, j'étais l'un d'entre eux. Il dit quoi jusqu'à ce qu'ils attendent de la petite bande d'imbéciles de Tyrael, jusqu'à ce qu'ils attendent à ce que je fasse l'autruche. Et oui, en mode, on a vaincu les démons, on oublie le fait qu'ils pourraient revenir un jour et que c'est temporaire. Surtout que c'est Zoltun Kool qui a renforcé les pierres d'âme, donc c'est celui qui connaît le mieux les limites des pierres d'âme. Et donc en gros, il évoque le fait que les autres lui aient empêché de renforcer les pierres d'âme ou faire d'autres choses. Parce que ça sous-entendait faire des choses innommables, ce contre quoi il s'était battu, et notamment bah, les grosses engueulades entre Tal Rasha et Zoltun Kool, parce que Tal Rasha, il le traite d'imbécile, mais en même temps il respecte énormément Tal Rasha, puisque c'est quelqu'un qui a un code de conduite et un code d'honneur, qui a des principes exceptionnels. Donc voilà. Contempt was irrefutable. Et qui j'ignore ce qui était irréfutable, donc... Alors ils se chargèrent de m'enfouir la tête dans le sable, littéralement, hein, d'ailleurs. Une seule personne essaya de s'écarter de leurs paroles pour découvrir la vérité. Donc ça, c'est le lien justement avec la saison 3, la saison des constructs. J'ai oublié le nom du bonhomme, c'est... Voilà, et du coup, les démons détruisirent tout cela, se répandant comme un mias putride et répugnant. Ces voleurs d'espoir et de pourriture... Ouais. Ok, non, non.
Donc là, les démons détruisirent tout cela. Voilà, donc ça c'est le magicien qui évoque, enfin ça c'est le magicien de la saison 3 qu'ils évoquent, qui est un ami de Zoltunkul. Que je trouve très bonne idée de créer un ami de Zoltunkul sans ramener Zoltunkul directement. Enfin, amis, ils ont des divergences quand même. Hein. Et c'est quelqu'un qui rappelle Zoltunkul, mais d'une différence. Ils ont réussi à créer un Zoltunkul différent qui est assez intéressant. Après, encore une fois, j'ai pas tout vu. Alors, ça pour le coup, alors j'adore les Vijaktar, tout ça, et on connaît très peu de choses sur eux. Donc, je rappelle, les Vijaktar, c'est les assassins de mages, les assassins des Vizjereï, donc du clan mage, du clan magique des Vizjereï. J'ai fait une vidéo sur les Vijaktar, les Vizjereï, la guerre des mages, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un événement que je ne connais absolument pas et qui me donne envie de m'intéresser plus. Alors peut-être qu'ils vont en parler dans la saison 3 que je n'ai pas encore fait. Mais le symbole des Vijaktar aussi, qui fait plaisir, hein, c'est cool. Décrocher, ça marche bien. Donc là, on voit l'opposition Horadrim-Vijaktar, chose que je ne connaissais pas. Un conflit entre les Horadrim et les Vijaktar. Ce qui est même étonnant, parce que les Vijaktar, on leur connaît pas beaucoup de personnes qui leur ont survécu. Donc il y a probablement eu une trêve, sachant que les Vijaktar sont censés être les assassins des Vijereï. Même si les Vijaktar ont tué énormément de Vijereï, hein, parce que, parce que bon, voilà, les Vijereï, c'était les premiers à passer du côté obscur, hein, c'est pour ça que les Vijaktar avaient été créés. Vijaktar, honnêtement, c'est quelque chose de diable. C'est un organe, c'est une organisation de l'univers de Diablo qui m'intéresse énormément. Mais on n'en connaît pas grand-chose. Mais le peu qu'on connaît est très intéressant. Mais j'aspirais des merveilles plus grandes encore. Les Horadrim ne sont pas dignes de votre estime. Ce n'était qu'un groupe d'incapables, ne subsistant que grâce à un chef idiot et altruiste. Alors, le terme idiot ici est plus le parce que c'est bien traduit, bien sûr, mais le mot idiot est plus en mode. Le côté, vous savez, le gentil idiot, c'est-à-dire le côté idéaliste, en fait. Le côté idéaliste et altruiste. Noble fool. Ah, c'est noble fool, donc un noble idiot. C'est vrai qu'il manque le noble. Un idiot idéaliste, en fait. That never questioned the Arcane. Et qui n'a jamais remis en cause ce que dit l'archange. C'est vrai, hein, les Horadrim combattent pour Tyrael, sans remettre en cause ce que dit Tyrael. To risk our lives for the heaven. Et oui, parce que Tyrael, en plus, il y a un ressentiment à l'égard de Tyrael, puisque c'est les humains qui meurent pendant que Tyrael ne branle rien, parce qu'il n'a pas le droit d'intervenir. Mais ils ont quand même reconnu mon talent, et compris dans notre réussite dépendait de mes recherches. Eh oui, déjà fort de ma maîtrise de l'alchimie, de la mutation, la transmutation, il est le plus grand mage du clan de l'Énéade. C'est le clan qui est spécialiste des transmutations et des globalement tout ce qui est sceaux magiques, etc. Donc ça, j'ai ri parce que c'est des images du coup de... C'est les images de... du lit de Descartes. Et donc j'avais pas vu, mais ils ont fait des effets par pierre, ce qui est une bonne idée. Et là, il y a la musique de Diablo 4 qui retentit pour les démons. Avec Mephisto à l'intérieur du truc, super bien joué. Donc bleu, évidemment, la bleue qui est la plus mise en avant, parce que bah, c'est Diablo 4, c'est Mephisto, hein, bien sûr. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que il semblerait, c'est moi qui en tire mes conclusions, peut-être qu'on peut me dire... mais j'ai l'impression... qu'il y a une grosse remise en question sur les événements qui ont amené à enfermer Mephisto. Ça, c'est le point de bascule qui a marqué Zoltunkul, j'ai l'impression. Qui a un élément très intéressant, parce que dans le livre de Kane, on n'a pas énormément d'infos sur la capture de Mephisto. On sait que ça a été catastrophique, mais c'est tout, on n'a pas beaucoup de détails. Et la narration de Zoltunkul est très intéressante. Significance. Sachant que c'est pas fait dans l'ordre, hein, parce que ça devrait être... Echoes in the stones. If you look, if you listen, we confronted Mephisto in one. Qui passe simple, qui fait plaisir. Nous affrontâmes Mephisto dans l'un des grands centres urbains du Kegistan. Alors, bien sûr, au niveau de la provenance, on pourrait dire que c'est Caldeum, mais j'aime beaucoup le fait que ce soit pas nommé parce que ça sous-entend qu'à l'époque c'était une autre ville et qu'elle a été complètement rasée et qu'aujourd'hui il ne reste plus rien. Et c'est très bien. Conséquence incroyable.
Alors que le fanservice aurait été, bah c'était à Caldeum, blablabla. Les dommages collatéraux de ce combat étaient prévisibles, bah oui, t'affrontes un des grands seigneurs démons. Et digne du seigneur de la haine, et oui, le seigneur de la haine. Hein. Surtout que ça tease, en plus, en faisant ça, il tease le retour de Mephisto en mode ça va pas se faire correctement. Certains innocents pourraient se demander qui était le plus maléfique ce jour-là. Et ça, c'est intéressant, parce que là, on sent le point de bascule pour Zoltun Kul. Certains innocents pourraient se demander qui était le plus maléfique ce jour-là. Ça sous-entend qu'il y a eu énormément de tirs amis, hein. Ça sous-entend que la population s'est retournée. Il y a eu probablement, enfin, la haine. Hein. C'est le seigneur de la haine, donc on pourrait tout à fait imaginer que c'est l'ensemble du Kyrgyzstan qui flambe. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, on voit que ça va jusqu'à Kourast, etc. In the end. Mephisto's essence. Mais bon, finalement, il fut. Donc, on sent qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de morts lors de la capture de Mephisto. On sent, enfin, quand c'est ça commence quasiment à être l'ensemble de la carte qui brûle, avec les cris, etc. On imagine que ça a été sacrément sanglant. Et vous noterez, première pierre bleue. En fait, c'est l'inverse de Diablo 2. Diablo 2, c'est la libération, à l'opposé de l'exil noir. Mais ça, je fais le point de toute façon dans les vidéos Diablo 2 de l'exil noir, donc je vais pas revenir dessus. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est pour la suite, parce que quand on fait le lien avec, on est à 436, quand on fait le lien avec à la fin, il dit voilà où nous en sommes, le sort de l'humanité, chaque porte peut être ouverte, chaque serrure possède une clé, en mode l'histoire ne s'écrit pas, tout peut arriver, tout ça, tout ça. Répondez à la question. Non, il dit un truc avant. L'histoire se répète. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est de la merde, c'est juste du fanservice, mais Diablo, c'est une histoire cyclique. Diablo 1 parlait déjà de l'exil noir. Et la fin de Diablo 1 était finalement la libération de Diablo, le truc qu'on avait tout fait pour l'enfermer. Finalement, quand il s'est libéré, bah, il fait ce qu'il avait fait pendant l'exil noir, tout ça, tout ça. Diablo 2, c'était pareil, c'était un cycle par rapport à ce qu'on savait de l'exil noir dans le manuel Diablo 1. On faisait le chemin inverse. Diablo 3, pour le coup, se couper à travers ça en nous présentant d'autres choses, mais finalement, eh bien, on en arrivait. On va dire que c'est Diablo 3 qui est le plus sorti du cycle, et c'est aussi ce qui lui a été reproché d'ailleurs. Et finalement, Diablo 4, c'est son inspiration principale, en dehors d'être la guerre du péché avec Inarius Lilith. Peut-être qu'en fait, le prochain arc qu'on ouvre, maintenant que Mephisto est libéré, en fait, ce qu'il vient de dire est peut-être un tease sur les prochaines années à venir pour Diablo, c'est-à-dire que Mephisto, into Baal, into Diablo. En fait, qu'on ait potentiellement deux extensions sur Mephisto, deux extensions sur Baal, et ensuite plus tard Diablo, un truc comme ça. Parce que là, clairement, ça a l'air de... Ça fait ça, quoi. L'histoire se répète. Alors peut-être que justement, il dit ça et finalement, les développeurs vont penser autrement, vont changer en fait un petit peu le truc. Parce que peut-être qu'ils vont juste reprendre Diablo 2 où finalement, on bat Mephisto en premier, puis Diablo, puis Baal. Mais en tout cas, l'ouverture des persos s'était fait dans le désordre, c'est-à-dire dans l'ordre inversé, à savoir Mephisto capturé, puis Baal, puis Diablo, Diablo libéré, puis Baal, puis Mephisto. C'est juste que la mort des démons, elle, avait coupé, on va dire, du cycle. Donc là-dessus, c'est assez intéressant. Que je revienne après sur ce qu'il disait. Donc voilà, on attira Baal dans la vallée de Ludgolain. Nous attendîmes 3 jours qu'il traverse. Ça, je crois pas que ce soit une nouvelle information. Je crois que c'était déjà dans le livre de Descartes ou le livre de Tyrael, je sais plus. Ou si sinon, c'est dans Diablo Immortal, je ne sais plus. Mais ça me dit quelque chose, 3 jours qu'il traverse. Ou alors c'est dans Bibliothèque Oradric. Peut-être que c'est dans la Bibliothèque Oradric. Je sais plus. Et j'ai fait des vidéos sur, évidemment, la bibliothèque Oradric, si jamais ça vous intéresse. Voilà, le désert aride n'offrait... Je m'attendais à ce qu'ils utilisent l'artwork du livre de Descartes, qui est quand même incroyable, où on voit vraiment un Baal qui rigole zéro, parce que le Seigneur de la Destruction, à son plein pouvoir, on imagine, à son plein potentiel, on imagine que... Ça rigole pas. Voilà, donc là il évoque le fait que bon bah Baal a été fidèle à sa nature, hein, il a tout pété. Et il en profite pour parler de la nature, parce que oui, les humains sont à 50% anges, 50% démons. Et saviez-vous que les anges ne valent pas mieux que les démons? Et ça, c'est très intéressant. Ils votèrent un jour pour savoir s'il fallait nous éliminer. Alors comment il a accès à cette information? C'est pas honnêtement
impossible qu'il y ait accès, étant donné que bah, Zoltun Kool, il se prétend Néphalem, tout ça, donc il aurait pu avoir accès à un savoir inconnu au niveau de la guerre du péché en soi. Pour ça, pour ça, je dirais ok. Pour ça, je veux bien. One vote saved us. Alors, l'image est quand même, Tyrael, l'image est quand même pas terrible, parce qu'il rappelle le fait que c'est le vote de Tyrael qui empêchait l'humanité d'être détruite, en nous montrant Tyrael opposé à Auriel Maltael Imperius. On notera l'absence totale d'Itéraël. Où est-il? On ne sait pas. Et je rappelle qu'Auriel avait voté pour la protection de l'humanité. Hein. C'était Auriel Itéraël contre Tyrael. Tyrael, Imperius, avec Maltael qui s'abstient. Maltael, en s'abstenant, une voix pour l'extermination des humains. Me demandez pas, normalement censé faire 2-2 avec neutre, mais ne me demandez pas pourquoi c'était comptabilisé comme extermination de l'humanité. Donc, eh bien, c'est le changement d'opinion de Tyrael qui finalement va remettre tout à. Qui va finalement donner un 3 contre 1. Donc là, dit comme ça donne l'impression que les anges sont tous opposés et que c'est Tyrael qui est bien gentil de nous aider. On notera, et j'aime bien. J'aime bien parce que, évidemment, je préfère l'autre Eldruin, mais on renote l'épée simple d'Eldruin, que bien aussi avoir les différentes représentations, ça me dérange pas du tout. Au passage, ça, si je dis pas de bêtises, c'était l'intro de Diablo 3. Par contre, c'est anachronique, Maltael ne ressemble pas à ça à l'époque de la guerre du péché et du vote, et même à l'époque de l'exil noir, il ressemble pas à ça. Si jamais vous voulez l'apparence de Maltael, il ressemble, hein, mais si jamais vous voulez l'apparence de Maltael, c'est justement celle d'où. Ah non, j'ai rien dit, celle-là c'est autre chose, c'est les trucs de Diablo 3. Mais vous avez le petit trailer animé qui s'était passé avant Diablo 3, où on voyait Maltael qui est à moitié rose d'ailleurs, c'est assez rigolo. Il a une apparence rose et il ressemble pas à ça. Il ressemble quand même, hein, bien sûr, mais c'est pas exactement ça. Archangel of Justice also understood our capacity for utter. He could. Donc là, bon, il rappelle pourquoi, blablabla. Il rappelle que les anges sont jaloux des humains. Ce qui est pas faux. En soi, ce qui est pas faux. Même si Imperius le reconnaîtra jamais, c'est pas faux. C'est pas faux. See the commonality. Disons qu'il y a une certaine jalousie. Devastating Voilà, le spell. Seigneur And il revient sur le Seigneur de la Destruction, fidèle à sa stay. nature, blablabla. Et effectivement, c'est le seul seigneur démoniaque qui a flingué sa pierre d'âme. C'est le seul. Ce qui rappelle que quand on essaye de faire une équipe des puissances, qui est le plus dangereux, qui est le machin, ça sert à rien. Parce qu'effectivement, Baal, bah lui, il a réussi à péter le truc, alors que tout le monde pense à Diablo en mode plus vénère, tout ça. Même le livre de Deckard essaye de te vendre Diablo en mode vénère, faut bien se rappeler du contexte. Baal est le seul qui a fracturé sa pierre. Voilà. Ça, c'est un truc de la pierre monde. Hein. Ça se fracture pas comme ça. Hein. Genre, c'est un fragment de la pierre monde. Ça se fracture pas comme ça. Hein. Dumitri. J'aime beaucoup le côté, la tête. Un petit côté archimonde là, comme ça. D'ailleurs. Voilà. Donc là, le petit rappel de comment est arrivée la situation. C'est ça que j'aime bien parce qu'on connaît ces détails-là. Mais le fait de, bah, avec la pierre pétée, comment on fait? Et ils posèrent la question, bah oui, c'est lui qui est le plus grand magicien transmutateur, etc. Donc, jeune fille qui répond, et la réponse leur plaît pas, c'est-à-dire qu'il existe une connexion entre les cristaux et nos cœurs. Et j'aime beaucoup la représentation ici des trois forces obscures, on va dire, puisque bah, la destruction, on voit la pierre qui vole en éclats. Mephisto la haine, on voit enfin que ça bouillonne, on voit les éclairs, regardez. Et là, on voit les éclairs sur la pierre. Et c'est la première fois, en dehors de la couleur, qu'on montre une représentation vraiment différente des pierres. Celle de Diablo pulse, comme les cauchemars, etc. Et elle pulse, comme le sang également, le rouge, tout ça. J'aime beaucoup la représentation des pierres comme ça. Vraiment, en dehors du code couleur. Vous rappellerez hommage bien sûr à Mephisto qui est en jaune dans Heroes of the Storm. Quelle indignité. Mais les éclairs bleus là comme ça pour Mephisto, j'adore. C'est mon préféré Mephisto. Bon là, voilà, il rappelle que tout ça, tout ce charabia, c'est pour dire qu'en gros, nous avons un écho, une résonance avec cette pierre, puisque c'est la pierre d'âme originelle qui a servi, la pierre monde originelle qui a servi à créer l'humanité. Donc, nous avons un lien de résonance avec ces pierres. Donc, éventuellement, pour renforcer la pierre, des humains.
Et vous comprenez pourquoi ensuite il a tué des humains pour renforcer sa pierre. Parce qu'il s'est dit avec des humains, eh bien ça renforcera ma pierre. Ce qu'il avait fait avec Talrasha, il va le faire beaucoup plus loin. Voilà, donc là il rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. On a la petite. Ce que j'aime bien, parce que c'est une petite. Sans trop en montrer, le fait qu'on voit les bandages qui partent dans tous les sens, c'est justement que ça prépare l'avenir de Talrasha, à savoir qu'il deviendra l'hôte de Baal et que Baal va se libérer. Côté momie. Bon, la musique de Tristram là. Mais en vrai, je leur concède. The hunt finally ending. La traque prit fin dans les lointaines contrées de Kanduras. Alors, le fleuve Talsand, j'avoue que moi qui suis en plein dans la création des cartes de Diablo, le fleuve Talsand, j'avoue que je ne l'avais plus. Je crois que je ne l'avais plus celle-là. Faudrait que je voie mes propres notes. Mais ouais, au lieu de parler de Tristram et tout, puisque c'est anachronique, Tristram n'a pas encore. Elle va se créer plus tard. Il donne pas le nom de Tristram. Très bonne gestion du temps, incroyable. Et donc le fleuve Talsand, bah moi-même j'avoue que je c'est un truc qui me parle, mais on n'entend jamais parler. Ça m'étonnerait pas que dans Diablo 3, quand tu te rapproches, ce soit marqué le fleuve Talsand, mais c'est tellement tout le monde généralement on s'en fout, etc. Stone was hidden near the river Donc c'est bien, Talsand. bonne maîtrise de l'univers. Tyriel ordonna que celle-ci soit surveillée et les Horadrim se relâchèrent. Et donc ils ne prononcent pas le mot Tristram, mais vous voyez la création de la ville qui va arriver derrière Tristram. Nous connaissions la vérité. Bon là c'est le moment où il fait son grand truc en mode bah voilà, on a ça c'est un truc qui est très intéressant parce que en fait c'est aussi cyclique au niveau de l'histoire, mais je suis pas en train de dire que c'est de la merde, hein. Bien au contraire. Ce qui est très intéressant, c'est que le Diablo 4 nous montre en fait une espèce de mini-exil noir avec comment s'appelle la guerre des Ashes, la guerre des cendres, je crois que c'est un truc comme ça, avec le duc du feu qui a été chopé en à Skos Glen par notamment trois grands aventuriers dont Laura, ben non, c'est pas Laura, je dis bêtise. C'est pas Loras, mince, j'ai oublié le nom du pote, j'ai oublié. Et les deux druides dont j'ai plus le nom là comme ça de tête. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, bah, c'était le bras droit de Mephisto et on voit qu'il a tout calciné dans la zone, etc. Et que cette guerre, cet événement a tellement eu de conséquences que les gagnants, les mecs, Donan, merci, Donan, que les gagnants, eh bien, ont été marqués à vie par ces événements et globalement. Il y en a deux, les deux druides d'ailleurs, qui ont pété un plomb en fait par rapport à ce qui s'ensuit, et même Donan a été marqué à vie. Donc ça c'est assez intéressant parce que vous avez ça c'est complètement basé sur l'exil noir. Sauf que l'exil noir, on n'avait pas autant de détails sur les personnages entre eux, les interactions qu'ils avaient, etc. Et ce qui est assez rigolo, c'est que du coup ils se sont basés sur l'exil noir et Zoltunkul pour montrer que au final. Même dans l'histoire, ils se sont basés de ça. C'est ça qui est rigolo, c'est que ça dépasse le côté à la fois dans l'intrigue et en même temps au niveau méta, ils se sont inspirés de Zoltunkul et de son lien avec Talrasha pour créer les histoires de Skos Glen qui sont au demeurant géniales. Et au final, ce qui est très drôle, c'est que en faisant ça, ils s'en resservent pour commencer à expliquer les relations que Zoltunkul et Talrasha, notamment avec la bibliothèque Horadric, et maintenant avec cette image qui nous rappelle en fait que, bah, en gros, Zoltunkul, et c'est normal hein, qu'on soit clair, Zoltunkul a affronté les trois grands seigneurs, enfin les trois grands seigneurs démons primordiaux, et du coup il a été profondément marqué par ce combat, et c'est ce qui va l'amener à mener ce combat, cette préparation, parce qu'il sait qu'ils vont revenir. Et il veut se préparer pour pouvoir les combattre, les enfermer, faire en sorte que l'humanité sorte de puisse avoir les armes pour affronter à la fois les démons et à la fois les anges, parce qu'il se rend compte que les anges, à tout moment, ils pourraient aussi nous se retourner contre nous. Le problème, c'est qu'évidemment, bah, tout ce que j'ai dit, j'ai abandonné les magiciens de Tyrell et leur sentiment de sécurité illusoire, donc il a abandonné les Horadrim. Je suis retourné au Kyrgyzstan pour faire mon chef-d'œuvre, mon héritage. Il a dû sacrifier, et on entend les cris, donc les gens, pour créer sa pierre d'âme noire. Et là, j'avoue que j'ai eu un énorme sourire. D'un autre côté, c'est le moment que je condamne dans la vidéo. Le fait qu'ils disent offrir à l'humanité sa place légitime d'héritière d'Anu, je veux bien qu'il ait accès à énormément de connaissances. Je veux bien qu'il ait eu accès à 2-3 trucs sur la guerre du péché, mais Anu.
Ça, c'est pas nécessaire. C'est absolument pas nécessaire. Je veux dire, ça ne change rien dans le contexte qu'ils disent qu'ils veuillent revenir à l'époque des grands héros d'autrefois dont il a eu des traces parmi les Néphalèmes, etc. Il a eu l'occasion de voir des traces, des écrits, etc. Il n'y a pas besoin de préciser à nous. Là, ça fait trop quest designer, en fait. Ça fait trop. Regardez, j'ai le livre de Descartes dans les mains, etc. Descartes, il émet des suppositions. Il n'est pas sûr. Donc, bien sûr, on pourrait se dire, bah ouais, mais en fait, est-ce qu'à un seul moment, à part pour. Là, on sent que c'est en fait, c'est un développeur qui parle, pour que le joueur soit pas perdu et qu'on lui fasse un cadre avec l'héritier d'Anu, tout ça, tout ça. Le personnage, il n'a pas besoin de prononcer ça. Il pourrait juste dire les grands héros d'autrefois. Et c'est un ange qui leur a privé de ses pouvoirs. C'est Inarius qui a privé les humains de leurs pouvoirs. Donc il aurait pu plutôt rebondir là-dessus. C'est un ange qui nous a privé de notre âge d'or en tant qu'espèce où nous avions les grands héros du passé. Et les grands héros du passé qui montrent, c'est pas n'importe qui. Vidéo Sonia les barbares. Non, je ne l'ai pas encore. Mais c'est Boulkatos ici. Et ici, c'est son frère. C'est. Mince! Il a deux noms. Alors le nom c'est Tuatha Danann comme ça là, le nom druide, mais son nom merde, Vassili. Vassili, son nom barbare. Donc ça c'est les deux frères qui rappellent que bah voilà il est le fondateur des barbares. Enfin c'est le premier grand roi des barbares. Son petit frère Vassili qui lui sera le premier druide de sanctuaire. Donc voilà on a les l'idée c'est ça. Il veut revenir à l'époque de la première génération de Néphalem. Flinguer les démons et les anges. Si vous avez du mal avec les générations de Néphalem, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Et ensuite, il montre encore mieux la deuxième génération de Néphalem. Il montre Uldissian directement, Uldissian qui a explosé Inarius. Donc, ça aurait été encore plus en lien avec ça, de parler d'Inarius, etc. Mais bon, comme ils ont un peu expédié Inarius avec Diablo 4, peut-être que ça y est, on s'en éloigne, j'espère pas. Mais justement, Uldissian, c'est pas étonnant que la première génération de Néphalem et la deuxième soient les idoles de Zoltun Kul, parce que la première, bon, c'est pas la première pour le coup était très très puissante, mais ne s'est pas rebellée contre leurs parents. Certains oui, mais pas tous. Et c'est surtout Uldissian, évidemment, qui conclut la guerre du péché en défonçant Inarius et absolument tout le monde. Donc, clairement, Uldissian, et le joueur de Diablo 3 s'inscrit complètement dans la suite d'Uldissian. Donc, c'est pas étonnant que Zoltun Kun le prenne comme modèle. Donc là, c'est l'événement de la guerre du péché. Blablabla, mais Isoradrim mené par Ibn Fahad. Ça me dit quelque chose, mais. Peut-être que c'est une nouvelle information. Ibn Fahad, j'avoue que je l'ai pas, l'info, mais peut-être aussi dans la saison 3, ils en parlent plus. Parce que j'avoue que Ibn Fahad qui a tué. C'est peut-être dans le livre de Descartes. Il faudrait que je me renseigne et je regarde dans le livre de Descartes. Parce que d'un côté, ça me dit quelque chose, mais en fait, je pense que je l'ai pas non plus, cette info. Faudrait que je me renseigne un peu plus. Mais bon, c'est cool. On a le nom du meneur, en fait, du remplaçant de Tal Rasha. Donc Ibn Fahad qui a traqué Zoltun Kul et qui lui a fait payer pour ses crimes. Gna, il s'opposait à mes recherches. Bon après là, je veux dire, il m'a fait blaire de bien des titres. Ils sont hypocrites, gna, j'avais raison. Mounier, mounier. Et là, entouré de. Là, il parle, j'avais de l'espoir pour celle-ci. Et là, c'est les événements de Diablo 3, en fait, hein, tout simplement avec le Néphalem. Mais finalement. Il est devenu le pantin de Diablo. Alors, le bémol, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas d'éléments supplémentaires sur la transition entre Diablo 3 et Diablo 4. On aurait bien aimé qu'il détaille un peu aussi. Parce qu'il est là, hein, au final, Zoltun Kul. On pourrait être amené à le revoir dans Diablo 4. Et on ne l'a pas encore vu. Donc, ça pourrait être intéressant. Voilà. J'avais pas forcément prévu qu'elle arrive sur YouTube, mais voilà. Du coup, j'en profite pour la mettre sur YouTube. Donc. Au revoir YouTube, d'autres vidéos sont à venir, notamment des vidéos sur les cartes. J'espère que voilà, j'espère que vous allez bien. J'aurais dû dire ça en début, mais c'est pas grave. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Plouche plouche! Hop, je fais ça pour Twitch, mais ne vous en faites pas. Je vous retrouve.